Entrée à l'Université Laval comme professeur en grève, ça, évidemment, ça t'oblige à avoir une position, une certaine modestie. Tout ça veut dire qu'il y a une large part de ce qui t'arrive est dû au hasard. Et j'avais, à vrai dire, là, je disais tout à l'heure, bon, c'est à peu près à ce moment-là qu'il a fallu que je me trouve un autre contrat de recherche. J'avais commencé un peu avant. Et je faisais soi-disant une étude pour le ministère des Affaires indiennes, mais complètement indépendant. Et à l'origine, je devais comparer avec le Groenland, et je me suis aperçu que non. Si je voulais comprendre puis étudier les choses, remonter dans les archives, voir comment ça s'était fait. Et encore une fois, il fallait que je me donne une histoire du développement du Nouveau-Québec et une histoire du développement de la Northern Branch du ministère des Affaires indiennes et du Nord. Donc, l'évolution de la haute fonction publique coloniale au fédéral, beaucoup de choses qui font... qu'il fallait essayer de découvrir parce que je savais, pour ainsi dire, le punchline, c'est que le mouvement aboutirait à l'autonomie gouvernementale. C'est bien sûr, je connaissais la fin de mon étude. Et alors, j'avais commencé à aller sur le terrain et faire des études, et là, j'ai travaillé dans la comptabilité. Mais il y a beaucoup de choses. J'avais écrit un premier jet, mais par la suite, il a fallu que je reprenne beaucoup de données. J'en retrouve certaines d'autres. J'avais heureusement le moyen de m'offrir une couple d'assistants. Pour m'aider pour des données historiques et ainsi de suite. Puis, quand on rentre professeur, je crois que c'est encore un peu comme ça. Les jeunes professeurs arrivent, puis on leur jette quatre cours, puis des fois, ça change à tous les trimestres. Quelqu'un est parti, tu bouches le trou et ainsi de suite. C'est bien parce que ça t'oblige de te donner le cours que tu n'avais pas pris au bac, encore une fois. Et puis, on te donne des cours d'introduction. Alors, à un moment donné, tu es obligé de donner, je ne me souviens pas trop bien, quoi. La division de l'objet sociologique, l'épistémologie de la pensée sociologique. Oh boy, t'as jamais réfléchi à ça, c'est le temps d'y voir, parce que tu commences à donner un cours en septembre, tu passes l'été pas mal là-dessus. C'est difficile de poursuivre la rédaction de ton recherche empirique, de telle sorte que là, j'ai donné toutes sortes de cours qui se situaient plus ou moins dans la foulée, parfois, de ce que j'avais déjà fait, donc mouvement social, pas de cours sur les Autochtones. Je n'ai jamais donné de cours sur les Autochtones. Jamais. On m'en a pas demandé, j'en ai pas fait créer. Et par conséquent, puis mes amis d'anthropologie m'ont pas demandé de venir apporter une perspective différente. Alors, je suis resté à me regarder le bout des pieds sur cette question. J'ai consacré beaucoup de recherches empiriques, mais pas pour enseigner. Et à un moment donné, puis, par exemple, je me suis retrouvé au bout de 5 ans à me faire dire si le 23 septembre, tu n'as pas déposé ton doctorat, tu es à la porte. Excellente motivation. Alors, j'ai ramassé tout ce que j'avais de paperasse puis de dossier sur les coopératives. Mais ça remontait à 76, 77, 74. Bon. Et je me levais tous les matins à 7 heures. Je descendais au sous-sol. J'écrivais jusqu'à 7 heures. Loum! Et durant l'été, j'ai fait, je crois que j'ai déposé, on me demandait le 27, j'ai déposé le 24. Avec des tableaux et tout ce qu'il faut. Et c'est assez volubile. Je crois que cette fois, c'était 700 pages. Ça garantissait qu'il n'y a pas un chat sur terre qui lirait ça, y compris les lecteurs obligatoires. Mais la fois que je demande à mon qui est devenu un camarade, j'avais deux anthropologues sur mon comité de doctorat. Serge Bouchard, qui est devenu l'anthropologue officiel de la nation, et Bernard Saladin, qui reste l'anthropologue par excellence de l'Université Laval, je suppose. Et Bernard, qui était aussi là-dessus. Mais Bernard m'avait quand même dit quelque chose. Et j'ai lu ça, je trouve ça bien intéressant. Mais sais-tu, je suis en train de préparer un article sur... en général, sur les Inuits de l'Est, pour le Handbook of North American Indians, publié par Smithsonian.
Puis il dit, sais-tu que je parlais pas de ça? Puis il dit, je vais reprendre un peu. J'avais sous-estimé l'importance des quoi. Je les ai vus. Je les ai vus d'un bord et de l'autre. Sais-tu, il n'était pas aperçu de ça. Mais... Alors, il dit, je vais ajuster mon article. Il est sous presse, quelque chose. Je ne sais pas s'il l'a fait. Il me semble avoir été voir, puis il en parlait, effectivement. Mais ça me fait plaisir. J'ai probablement répondu par une blague de méchante, là, en disant, c'est drôle, t'as été 15 ans sur le terrain, t'as pas vu ça, hein? Un anthropologue, là, il y aurait une collision avec l'histoire, pareil, comme on a une collision avec un orignal, puis il verrait pas, quoi, il verrait juste l'immémorial. Alors, d'où cette tradition de galéjade et de blague entre l'anthropologie universelle et ma modeste existence. J'ai toujours taquiné mes meilleurs amis, c'est-à-dire les anthropologues, évidemment, devant à quelques reprises. J'ai été un peu généreux à traiter les anthropologues de tous les noms, dont une fois à propos du texte d'un autre camarade, j'avais dit, je les traitais d'aumôniers du régiment. Et ça m'avait valu un certain nombre de sarcasmes en retour. Je vais te confesser que c'est un peu exagéré. Alors, bon, ben, voilà comment je suis devenu professeur. Je pourrais raconter aussi ce qui est la façon de se préparer à le faire, justement, dans bien des cas. Comment on m'a offert une job faite pendant que j'étais non permanent et que je ne croyais pas que je ferais un professeur chercheur. On m'a offert un travail dans l'administration publique, un bon poste, un bon niveau hiérarchique. Et je sais que ça allait inventer, là, mais j'avais rencontré le directeur général et ils ont appelé un type. Moi, je m'appelle Jean-Jacques Simard, comme vous savez, ce type, je crois qu'il s'appelait Jean-Charles ou Jean-Joseph, je ne me souviens pas. Il avait aussi fait diplôme sociaux. Il avait aussi fait une maîtrise en aménagement régional. C'est dans ce domaine-là qu'il était supposé aller. Ils l'ont appelé, il a répondu « Non, je ne suis pas libre ». Ils ont dit « Dommage ». Si on m'avait appelé, je n'aurais jamais été professeur. J'aurais tout de suite sauté. J'aurais dit « Ça, c'est du vrai travail. » Pas professeur d'université. C'est pas pour moi, ça. Alors, voilà quand je suis devenu professeur d'université. Les recherches qui m'ont ensuite... Et mes cours ont été... très largement, cette fois passablement, dans la continuité des questions dont on a déjà parlé. Là. Il s'agissait de comprendre mieux, et très souvent, en donnant un cours, tu mets au clair des hypothèses, des choses sur lesquelles tu travailles par ailleurs. Donc, pour moi, distinguer recherche-enseignement, j'ai jamais trouvé que c'était pertinent dans le cadre de la fonction, de la mission, de la vocation, du rôle de professeur d'université. C'est des choses qui allaient ensemble. Alors, bien, à partir de mes études sur les coops, il y a un éditeur qui a accepté de les publier, comme c'était arrivé pour mon mémoire de maîtrise, après un sarclage extrêmement rigoureux pour amener ça à des dimensions comestibles pour un lecteur instruit moyen. Là. Et puis il y a toutes sortes de ritualistes qu'on met dans une thèse qui ont trait à l'autosocialisation de l'apprenti érudit. Là. Donc des simagrées académiques qu'il faut essayer de sarcler autant que possible, d'éliminer, d'émonder, pour que le texte se lise plus aisément, et puis des choses superflues, et puis on fait des sorties de côté. Alors, l'éditing, la correction, la réfaction de texte pour l'édition, c'est d'ailleurs passionnant. Les gens qui travaillent dans des revues savent que c'est un travail énorme, mais puis en soi, dans d'autres traditions, il y a des gens qui sont passés, sont célèbres pour avoir été des editors, c'est-à-dire des correcteurs de rédaction, en quelque sorte, réorganisateurs. Beaucoup d'auteurs qui dédicace leur livre à My Editor. Il y a pas en français, les éditeurs ne sont pas ça du tout. C'est l'industrie de publication. C'est l'équivalent du rédacteur en chef, mais ça dit mal qu'il y en ait. Quoi qu'il en soit,
j'avais dû faire un travail d'édition important pour faire un livre avec les coops. Puis j'avais trouvé un titre là assez punché, ça s'appelait « La révolution congelée ». Pourquoi congelée? Parce que je finissais, après avoir étudié jusque dans le détail le fonctionnement des coops, comment le leadership s'y exprimait, puis comment la culture, comment elle prenait toutes sortes de formes inédites, qui n'avaient rien à voir avec la culture immémoriale, mais réinventait ce que pouvait signifier Inuktitut, toute la manière des Inuits. Et tu le voyais en débarquant, tu disais, oh, ici, on n'est pas ailleurs que chez, dans une compagnie, dans une coopérative des Inuits. Et ainsi de suite, dans la manière de faire les palabres, la maudite manie du consensus où tout le monde redit la même chose. Puis là, tu trépignes en disant, oui, je le sais, y compris chez les dirigeants qui étaient habitués, puis qui disaient, attends, ils sont obligés de tout répéter, ce que tout le monde a dit. Tu vois, toutes ces choses-là. Il y avait des affaires qui étaient intéressantes et tout. Mais à la fin, comme de raison, je mettais des chiffres pour mesurer la place des Inuits dans l'évolution de l'économie régionale en général. C'est assez triste parce que, avant la convention de David Jones, sur chaque dollar gagné par des Inuits, il y a 40 sous. Qui venaient d'une activité connectée ou non aux coopératives, y compris vente de viande sauvage ou bien les sculpteurs ou les dames qui faisaient des anoraks, et ainsi de suite. Toutes sortes d'activités, travailler dans le centre de tourisme, au restaurant, au que sais-je, cinéma, bon. Puis, comme de raison, c'est tombé beaucoup. Alors, j'avais des chiffres mis à jour, mais qui n'étaient pas tout à fait à point. Puis, ma révolution, elle était congelée parce que je montrais la révolution qu'avaient effectuée les coopératives en aboutissant à l'autonomie gouvernementale, à partir d'une volonté d'autonomie économique qui, en même temps, est un mode de réinsertion de la symbolique des Inuits dans le monde tel qu'il est. Alors, c'est un gigantesque mouvement social qui est un mouvement de société. Et il aboutit où? La convention. Et puis, un immense appareil bureaucratique, extraordinairement paternaliste, fractionné en tout temps, avec une participation provoquée, artificielle, qui veut qu'il y ait à peu près 250 Inuits dans les avions à tout moment pour aller à une réunion, ce qui n'a aucun sens. Ça s'appelle écrémer littéralement le leadership d'une population. Enfin, j'avais beaucoup de mauvaises choses à dire contre la Convention. Et ses œuvres, ses pompes, bien sûr. Et puis, donc, je disais, t'avais une révolution, elle restait figée là, là. Puis là, les coops, là, ils font du surplace. Mais il y a le projet, puis ça va. Il y a quelque chose qui va renaître. Alors, je finissais comme ça. Non, pas un mot de Merleau-Ponty, il n'y a pas de programme, il y a l'élimination du non-sens. Alors, je dis, bon, si c'est ça, alors, le progrès de leur bord. Ça finissait comme ça. Alors, j'ai mon titre, révolution contre. L'éditeur l'attendait. Il fait une maquette, il l'annonce. Puis il dit, je ne suis pas content, ma conclusion n'est qu'une tête. Mes chiffres, il faut que je les mette ailleurs. Il faut que je les mette à jour. Mais là, je croise un étudiant de Sciences Po qui vient me voir en disant, moi, tout ce qui m'intéresse, j'ai été au Nord, ça m'intéresse, je veux travailler sur les Inuits, je viens de Sciences Po. Je viens en sociaux, puis pour dire bien franchement, j'ai vu des affaires qu'ils avaient produites. Je trouvais que je me trouverais à l'aise avec ça. Il s'appelait Gérard Duhem, qui est maintenant devenu un collègue, un professeur à l'Université Laval, au Sierra, comme on sait, puis à la chaire Louis-Moi Hamelin et tout, et au département de sociologie, après avoir fait un détour par consommation, c'est très drôle. Et puis, Gérard, lui, il s'engageait, donc, si je me rappelle bien, c'est une maîtrise. Puis je crois que j'avais été dessus, qu'il avait suggéré, fais ça sur la sédentarisation. C'est là que tout a changé. Les conditions de vie ont complètement changé, puis ça a créé les conditions d'un nouveau type de structure coloniale. Tout part de là. Puis ça fait pas si longtemps qu'il y a encore des vivants dans cette histoire. Et prends le territoire du Nouveau-Québec, j'ai quelques bribes d'histoire, puis il y a des sources qui sont là-dedans. Et il a fait un très beau petit travail de maîtrise sur la sédentarisation, et plus largement, en quelque sorte, la formation des Inuits comme villageois, par opposition à semi-nomades.
D'ailleurs, il rappelait du coup un titre, je crois, de Honigman, qui avait écrit un truc sur les Inuits. Tout ça. Eskimo Townsman. Lui aussi, il avait dit, la grande affaire, c'est quand ils sont regroupés dans des établissements sédentaires. Honigman a écrit ça dans les années 50, je me rappelle bien. Et alors, Gérard a fait ça, il avait appelé ça d'un titre, lui aussi, moins raté que mon premier titre, du petit peuple, peut-être, là, mais il a appelé ça de l'igloo au HLM. Je n'ai pas trouvé de ça parce que évidemment, génial comme formule, mais enfin, ça disait ce que ça voulait dire. Mais je suis resté avec Gérard, on est resté comme larron en foire, deux camarades. Puis moi, je dis, ce que je peux faire, je te prête mon nom, puis l'institution, quoi. Puis on va aller chercher du fric au CRSH ou n'importe où il y en a pour que tu puisses poursuivre tes recherches, tes études. Parce qu'il voulait aller au doctorat, c'est sûr. Alors, on a trouvé du fric pour faire ça, sous mon nom. Alors, plus tard, la rumeur courait que j'étais en charge du projet, mais que c'était du M qui faisait quasiment tout l'ouvrage. Cette rumeur était parfaitement fondée. Mais on s'entendait très, 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 très bien. Puis, il a fait un doctorat. Oui, si je l'avais dit, « follow the money », comme avait dit Deep Throat dans l'histoire du Watergate, il faut qu'on sache d'où vient l'argent. Bref, les entrées et sorties, le modèle de Léontief appliqué à la région, on est arrivé rapidement à quelque chose du genre, fait une matrice de l'économie du Québec Inuit, qui commençait, je crois, à ce moment-là, à s'appeler Nunavik. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Je pense qu'on disait plutôt Nord Inuit. On disait plus Eskimo. Le mot Eskimo était disparu. Et puis, alors, Gérard s'y est mis. Moi, je collaborais, mais pas plus qu'il faut, parce que là, la cheville ouvrière, c'était du M. Il s'est accoquiné avec un de nos collègues d'économique, qui était un gars, un libéraliste à l'ancienne, puis assez à droite, mais il aimait ça. Ah non, pas des sociologues qui sont en train capables de comprendre quelque chose à l'économique. Ah, il trouvait que c'était de toute beauté, c'était bon Dieu. Les handicapés qui veulent apprendre à danser, vraiment. Alors, il s'entendait bien avec Gérard. Moi aussi, d'ailleurs, on s'entendait bien. Gérard a fait un très, très, très beau travail qui a été la base de ce qui, plus tard, sera la banque de données ArcticStat qui a été mise sur pied par ses bons soins et avec des collaborations internationales. Il y a aussi, Gérard, beaucoup ensuite continué dans ce domaine, y compris trouver des chiffres sur l'alimentation. Le reste de sa carrière est bien connu. Mais je dois dire que pendant certainement 4-5 ans, là, toute la recherche était avec Gérard. Ce que je faisais, ou à moins de répondre à toutes sortes de commandes, parce que j'ai passé ma vie à répondre à toutes sortes de commandes. Un peu comme un plombier. Vous m'appelez, puis je dis, bon, ben, pas vendredi, mais la semaine prochaine. C'est quoi votre problème, là? Bon, OK, mettons. Alors, je vais essayer de voir. Un peu comme ça, sur toutes sortes de choses. Mais s'il y a une base, ce que j'ai jamais cessé, c'est d'avoir toujours, toujours, toujours une recherche empirique en cours, sur le Nord, généralement, ou sur les Autochtones. J'avais trouvé un contrat à un autre moment pour étudier l'existence même, le poser, les questions démographiques de l'existence de Métis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, relié à la formation d'une alliance des Métis du Québec dans l'intérieur des négociations constitutionnelles où le fédéral avait reconnu les Métis, mais c'était les Métis de l'Ouest. Il y a une tradition historique particulière, avec un langage qui était formé de deux langues, possiblement du cri avec du français et tout, enfin. Bon, puis la figure de Lou Riel qui associait tout ça. Bon, il y a là une densité socio-historique qui suppose une conscience ethnique importante, ce qui n'est pas le cas, tout simplement, d'enfants d'accouplement interethnique, en quelque sorte. Ce qui est plutôt le sens du mot métis qu'on utilisait ici. Mais c'était former une alliance plus ou moins aspirée par la possibilité de profiter des quelques privilèges qu'offre le statut indien. C'est un privilège qui est payé par des misères bien grandes, à mon avis, mais en tout cas, il y a quand même des petits avantages matériels, certains programmes d'éducation gratuite, ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, il était en mal de trouver quelqu'un qui puisse légitimer scientifiquement l'existence de métis au Lac-Saint-Jean. Et on m'avait contacté, cette association
gens, souvent par des connaissances, quelqu'un qui connaît un tel, il connaît tel autre, tel autre. Et non pas parce que ma réputation rayonnait, c'est pas ça. par des contacts, des réseaux. Alors, moi, je savais que mon collègue et ami Gérard Bouchard, avec qui j'avais étudié au classique, s'était mis en frais d'élaborer un fichier démographique et historique croisé avec des données génétiques de toute la population du lac Saint-Jean. Et ça, c'est des grandes œuvres qui se sont mises à se développer à ce moment-là en démographie. À Montréal, il y avait un projet pour l'ensemble du Québec. Il s'inspirait des travaux qui avaient été faits par les Mormons, pour lesquels c'était un diktat religieux que de suivre l'évolution généalogique. Enfin, il y avait toutes sortes de choses. J'appelle Gérard, j'ai dit, est-ce que vous croisez des trucs? Non, il prenait les registres d'état civil, les morts, les mariages, les décès, les naissances, essentiellement, puis il croisait ça avec d'autres choses, comme les étudiants du séminaire, d'autres données qu'il pouvait trouver pour essayer de suivre des trajets au travers des générations. Une extraordinaire richesse de bâtir cette affaire-là, puis tous les travaux qui ensuite sont constitués, ça marche encore. Mais j'avais dit, penses-tu qu'on serait capable de spotter des gens comme un non-indien, et ainsi de suite? Puis si vous voulez travailler avec ça, je vous donnerai ça aux données. Moi, pas de problème, ça ne coûte rien. Vous signez en temps de confidentialité. J'avais là eu du fric, donc j'avais engagé deux assistants, dont un type qu'on a connu en anthropologie, Daniel Castonguay, qui ensuite a fondé une petite compagnie lui-même pour travailler dans le domaine de l'occupation du territoire, beaucoup chez les Autochtones. Alors, Daniel, il venait de faire sa maîtrise, si je ne l'ai vu, dans l'anthropologie. Je l'ai accroché. On a commencé à travailler là-dessus. Il n'en est jamais sorti rien de bien précis parce que les fonds ont manqué quand on n'avait pas fini. Puis là, j'avoue que j'ai mal joué mon rôle. J'ai abandonné un peu les assistants à eux-mêmes. J'ai trop pris par ma fonction d'enseignant, puis de répondre à des commandes d'articles, et ainsi de suite. Moi, j'ai négligé un peu. Et on a sorti des rapports, mais des rapports pour l'association, rien qu'à donner des articles, rien qu'ils méritaient, qui étaient assez rigoureux, assez solides pour justifier. Sauf quelque chose qui est tellement intéressant, c'est l'extraordinaire mobilité des Indiens, y compris au lac Saint-Jean, et comment ils s'étaient, pour ainsi dire, résignés aux réserves. Comment il était faux de dire qu'eux-mêmes demandaient d'être protégés contre les déprédations des Blancs. Non, il est tout très enduré. Il s'installait toujours proche des centres de peuplement pour profiter des développements, puis des petits trucs marginaux, puis essayer de sortir avec des petits boulots, des tirements, avec des petits trafics, puis se tirer fort bien l'affaire, organiser autour de leur vie semi-nomade, avec la chasse, puis toutes sortes d'affaires. Ils étaient littéralement poussés par l'agriculture, surtout. Refoulé sur eux-mêmes. Au fin fond du lac, où on pensait que jamais choc irait. La Mastouillache, la pointe, s'est trouvée là. Et partout, donc, des populations qui restent, mais là, tu trouves la piste qui sont maintenant rendues là. Et c'est là qu'il s'est formé une conscience d'être des Métis. Puis on le voyait assez bien en suivant des trajets démographiques. Alors, dans l'ensemble, ça confirmait des choses à l'intérieur d'études historiques sur la mobilité géographique des Autochtones, mais je n'ai jamais tiré de grand-chose, sauf pour incorporer ça à l'intérieur des cercles généraux sur la condition autochtone. Parce que ce que je m'occupais, ces travaux d'ordre empirique-là produisaient toujours des grosses briques. La dernière que j'ai faite m'a pris 4 ans, j'ai eu 6 ou 7 assistants. Et celle-là, par exemple, c'est moi qui l'ai pas mal tout fait d'un bout à l'autre, parce que c'était juste des petits pour ramasser les données d'un bord et de l'autre, puis essayer de les compiler. Mais pour ramasser tout ça, à un moment donné, il a fallu que je m'y mette. Là, j'avais un contrat, j'avais dû mon âme, pour ainsi dire, à la mère de tous les barrages, Hydro-Québec. Il s'agissait de financer quelque chose, puis je cherchais du fric. Puis je dis, on va faire une étude sur les... j'aime pas l'expression, c'est un anglicisme, les impacts sociaux, j'aime pas ça. Les tendances qu'on pourra observer dans le développement des conditions de vie depuis la Convention de la ville de Genève. J'avais quelques chiffres qui remontaient à ma petite étude du temps du bac, avant Convention, 70, 69, 70, des choses comme ça.
J'avais des trucs que j'avais trouvés au moment où je travaillais sur les coop, sur le terrain 76, et puis un petit peu plus tard dans ces années. Et j'avais fait des efforts pour mettre à jour quelques données, parce que mon maudit manuscrit ne sortait jamais. Puis je disais, pour que je mette à jour, pour que je mette à jour. Alors, on s'est mis à rechercher des données, les sources de données diversifiées dans tous les domaines. L'évolution démographique, les services de transport, combien de vols à telle place, telle autre. Les statistiques sur une région comme celle-là, qui est encore inorganisée, précisément parce qu'il n'y avait pas de gouvernement régional ou autonome qui a besoin de data. Donc, c'est des administrations d'un côté et de l'autre qui cueillent des informations généralement étroitement assujetties à la réponse aux besoins qui leur sont prescrits par des dispositifs administratifs. Ce n'est pas les données que tu voudrais avoir pour pouvoir interpréter des changements. Mais enfin, si tu veux, tu prends les données de maladie et de mortalité, puis tu essaies d'expliquer les conditions épidémiologiques propices à ce développement, puis tu finis par, avec ça, bricoler quelque chose, essayer de faire parler les chiffres. Pour les fins de la convention et de l'organisation de la chasse, les garanties du droit des chasseurs et des allocations particulières. Bon, on a des données sur des prises à partir d'échantillonnages qui ont été faits par des biologistes et d'autres. Alors, tu vois combien les gens chassent à tel endroit plutôt que tel autre, quelle espèce, ça suggère des pistes. C'est intéressant comme tout. Mais ce gros machin-là, ben là, encore une fois, ça sort, c'est immense, c'est pas quelque chose que tu peux donner à lire à n'importe qui, jamais transformé en ouvrage disponible pour tout le monde. Un ou deux articles, ici ou là, Gérard, qui a participé un peu à prendre le prix, finalement, n'a pas été tellement diffusé. Alors, j'ai toujours fait ces études empiriques, mais j'ai pas marqué, pas à la hauteur des efforts que j'ai fait, en tout cas, le champ des recherches de botanique. Pour ça, je n'ai jamais été considéré comme, et je dois dire que je ne me suis jamais considéré comme un spécialiste des recherches, des études botaniques. Quelques articles de recherche amérindienne au Québec, mais très rares et la plupart du temps contentieux parce que j'y parlais à peu près pas des Indiens. Alors, à part de ça, ben, j'ai fait des recherches sur le Québec, mais là, ce n'est pas la recherche empirique avec tout le terrain, plus dans l'histoire, et dans des essais généraux. Et puis, sur le Québec, ben, j'ai quand même donné longtemps des cours sur le Québec, jusqu'à la toute fin, jusqu'à la retraite, donné des grands cours d'introduction, genèse du Québec contemporain, formation de la société québécoise, enfin, des titres assez généraux. Là. Je voulais dire les péroraisons que les sociologues peuvent faire sur le travail des autres, des géographes, des historiens, surtout, pour essayer de mettre un ordre, essayer de donner un sens, hein, de la maladie, d'hériter de la philosophie, de l'histoire, de la sociologie. C'est de mettre un ordre pour voir s'il n'y a pas un sens. Alors, j'ai fait beaucoup et j'ai, par conséquent, répondu à toutes sortes de demandes, de colloques, de conférences, dans ce domaine-là aussi, sur le Québec en général. Dans le cas des Autochtones, parce que j'ai publié beaucoup plus des essais, encore une fois, que des données empiriques, que je laissais dormir dans des rapports, bêtement, stupidement dans un sens, par manque de savoir-faire universitaire. Et puis, alors j'ai fini par sortir un recueil d'écrits sur les Autochtones et un recueil d'écrits sur le Québec. Et j'en avais à l'esprit un troisième parce qu'il y avait la question préalable que je n'ai jamais cessé de me poser. Qu'est-ce qui transforme à la fois les Autochtones et les Québécois?